la bénédiction des pères. Donna toletum. Amen. Amen. Comment entrer dans la bénédiction de son père? Né anabia donna intotetum ego. Bien aimé. Ouais non. Nous avons combien de types de pères? Tona bien mido. Que vous savez. Bon miton. Micro. Pour moi. Nounio. J'ai deux pères. Notoi. Il y a mon père génital. Toi Jimmy. Et mon père spirituel. Toi tu es maintenant. Ok, vous êtes béni. Mendez-vous. Quelqu'un d'autre? Oui. Mendez-vous. Il y a le père spirituel, le père adoptif et le père biologique. Amen. Amen. Vous êtes béni. Quelqu'un d'autre? Mendez-vous. À mon niveau, il y a trois pères. Toi, oui. On a le père, le Seigneur. Le père spirituel et le père biologique. Le docteur Ejime. Amen. Amen. Vous êtes béni. Maintenant. Quelqu'un d'autre? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Mao ni donumi. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant Jésus. Nous avons. Mino. Effectivement trois pères. Nous bonu bo toi ton aidé. Amen. Amen. Nous avons notre Seigneur. Mino wolenganto mi. Créateur des cieux et la terre. Eda agapo tokwe. Amen. Amen. Il est notre père. Et ton à l'infini. Kakasson. Amen. Amen. C'est le Tout-Puissant. Mavo, né? Dieu le Tout-Puissant. Mavo. Nous avons notre père biologique. Mais le Père Jimmy. Notre père biologique. Père Jimmy. Que nous avons l'honneur d'honorer. De nos yeux de Tana. Amen. Amen. Nous devons honorer nos pères. Mais nos yeux de Tana. Biologique. Père Jimmy. Vous n'êtes pas sans savoir. Mais comment ton? Aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre des Eaux, honore ton père et, si ta meton, et ta mère pour que tu aies une longue vie et une vie heureuse sur la terre. C'est un commandement. Amen. Amen. C'est un commandement que tu dois suivre et tu dois respecter. Même si tes parents biologiques sont des sorciers, voir qu'ils sont des sorciers, tu as l'obligation de les honorer. Tu n'as pas le droit de les déshonorer. Amen. Amen. Tu dois les honorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, non, Jésus, mais. Et bien là, le finio, nous avons aussi. Milano. Parce que pourquoi il faut honorer le père biologique? Il y a une promesse là. À papier, au fini. Que tout le monde doit respecter. Bon, mais bien, si. La promesse est évidente. À papier, au temps la vie de toute personne. Bon, mais ici, c'est présenté. Même si ta maman est folle. T'es notre italien. Ton papa est fou. Toi, italien. Tu dois dire c'est mon papa. Alors, toi, tu ne dois pas avoir honte. Oui, il y en a où nous, où est-ce que tu es? Yes. C'est ton père. Toi, tu es. Ton papa peut être féticheur. Quand tu es ici, vous ne partagez pas la même foi. Mais ne sait le pas, vous la même religion. Mais ne sait le pas, mais ne sait le pas, mais ce n'est pas permis que tu le déshonores. Et nous avons un peu de temps à Jésus. Tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Il y a des limites spirituelles avec vous. Donc, bon, il est timide, pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais mon conjoint, lorsque nous quittons là, Mikago, nous venons maintenant Minawati sur do le père spirituel. Do le père spirituel a beaucoup de notoriété. Et check support. Pourquoi? M'tato. Ce qu'un père biologique ne peut pas déclencher. M'tato. C'est ça le père spirituel peut déclencher. Quelqu'un dit comment? Comment? Le père spirituel contrôle ta vie physique. Mais la vie spirituelle, la vie physique est contrôlée par la vie spirituelle. Avant que quelqu'un ne meure au jour, qu'il décède dans le règne de l'esprit d'abord. Avant que quelqu'un ne gagne quelque
des choses, il faut qu'il gagne cela dans le règne de l'esprit. Je vous dis une chose, lorsque vous voyez le ministère international de la population de Christ, ce n'est pas une église physique simplement, mais c'est une église qui règne dans le spirituel. C'est né d'abord dans le spirituel avant de venir physiquement. C'est ce qui fait que nous ne trouvons pas de difficultés pour percer le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? I hear you, my father. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, Jésus. Et là, le père spirituel est celui qui gère un combat spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Yes, sir. Il combat dans le spirituel. Il agit dans le spirituel. Il intervient dans le spirituel. Amen. Amen. Et là, ce qui est décidé dans le règne de l'esprit, c'est ça qui se passe physiquement. Il est le déclencheur de la chose spirituelle. Amen. Amen. Et au-delà de ça, un père, c'est quoi? Un père, c'est celui qui enchante. Celui qui crée. Amen. Amen. Celui qui est le moteur ou le responsable d'une association, de regroupement. C'est lui. Écoutez, si nous prenons par exemple le père de la rupture au Bénin, c'est qui? Mais pas de rupture. Rupture. C'est le président Talon. Pourquoi le mouvement rupture émane de lui? Il est le promoteur de ce mouvement. Amen. Yes. Lorsque nous prenons place dans le changement, c'est qui? C'est changement, mais quand? Yaiboni. Hein? Yaiboni. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Jésus, mais il se constitue des pères. Et il doit pour cette époque. Nous venons pour le mouvement. Nous bêtons et tout. Asseyez-vous, pasteur. Mais Jésus est important. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Jésus, mais et c'est pour cela quand vous lisez la Bible. Jésus, mais quand vous verrez. Maintenant. Qu'il y a des pères là. Tant est venu. Le mot père est venu deux fois. Des temps à son. Amen. Amen. C'est venu d'abord pour le mariage. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Mais au-delà de ça, on a parlé des joueurs de harpe. On dit maintenant, entre-temps, les gens faisaient la musique. Les gens faisaient toutes choses. Les danses et autres. Mais il n'y avait pas. La harpe ou bien comment les claviers. Clavier, piano et les dire. Si cette chose n'existait pas. Mais les dire. C'est un descendant. Qui a décidé de fabriquer ça. Et tous ceux qui jouent la musique sur clavier, sur un son, le son clavier, qui constitue leur père aujourd'hui. Et la Bible a notifié qu'il est le père des joueurs de la musique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la notion du Père. Bien aimé dans le Seigneur. Toute personne sur la terre est liée à un Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est tombé du ciel? Personne n'est pas là. La personne est arrivée. Mais on va faire. Est lié à un père. Même si l'enfant est né de façon artificielle. Et bleu et les opérations in vitro. Écoutez-moi correctement. On peut ne pas mettre ça dans le ventre d'une femme. Et faire l'accouplement jusqu'à ce que l'enfant va devenir enfant. Qui a investi? Mais en quoi? Qui a demandé à ce qu'on fasse? Mais il devient le père. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais une chose est dangereuse. Dans le monde chrétien aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en Jésus, mais ils n'ont pas de père spirituel. Toute personne en Jésus a besoin d'un père. A besoin d'un père. Ton père
père spirituel. Dis voisin. Qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? En francophonie. L'église a ce problème. Le père spirituel. Ça n'existe pas. Dans la francophonie. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens déambulent de lieu en lieu. Et même ici, on se peut, non? Le père en père. C'est ça la solution. Partout. Bon, je vais vous expliquer une chose. C'est un père. Levez-vous. Ton Mouka. Nom de famille. Dakouti paterne. Dakouti paterne. Ok. Enyon. Votre nom, s'il vous plaît. Comment est-on? C'est sous Albert. Fagnon Adolphe. Boko Georges. Félé Joachim. Agbamou Robert. Ok. Écoute-moi. C'est Ochi. Ton papa s'appelle comment? Dakouti Emmanuel. Emmanuel Dakouti. Ou bien? Oui. Et toi, tu t'appelles Dakouti Paterne. Ton père s'appelle Dakouti Emmanuel. Eh non, Dakouti Emmanuel. Mais. On constate quelque chose. Et qu'on a écoute-moi. C'est pas toi. Écoute-moi ton nom. C'est Ochi. Okay. Ton nom s'appelle. Dakouti. Sessou. Fagnon. Boko. Fele. Agbamou. Paten. Non. C'est pas toi. Eh ouais. Mais c'est toi. J'ai pas ce nom. Tu n'as pas ce nom. Tu n'es pas sorti de celui-ci. Tu n'es pas sorti de celui-ci. Mais là, je te vois que tu es sorti de tout ça. Non. Je ne suis pas sorti de. Mais je suis sorti d'un homme. Mais pas deux. Tu es sorti d'un homme. Il n'y a pas deux. Asseyez-vous. Mais j'y ai fait. C'est ce que vous êtes devenu. En tant qu'enfant de Dieu. Mais vu maintenant, nous avons joué. Accélérez mon père. C'est ce que vous êtes devenu. C'est dit quoi? Celui-ci. Mais là, tu le prends comme père. C'est lui qui te pose les mains. Et c'est un père qui peut imposer la main à un fils. Mais toi, tu es dans sa logique. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors celui-ci aussi vient t'imposer la main. Celui-ci vient t'imposer la main. Qui est ton père? Mais quand toi tu es. Dieu n'a pas rien. Dans le monde chrétien. Mais il sans transiter. Ni ma bon. Pas un père. Toi tu es. Yes. C'est mon père. Yes sir. Il transite toujours pas un père. Et là bon, toi tu es. Et je vais vous expliquer une chose. Lorsque vous prenez la femme samaritaine. Mais c'est samaritaine si on la femme samaritaine. Samaritaine si on elle avait un seul mari. Elle a sous le pot. Au moment où Jésus l'a rencontré. Oui, Jésus c'est un seul mari Jésus a. Sous le pot, elle. Elle avait en ce moment. La femme à qui Jésus demandait de l'eau à boire. Mais bien si on. Elle s'appelle la femme samaritaine. Elle a un samaritaine. Et Jésus lui a posé la question. Jésus carrière. Femme. Non. Où est ton mari? Il a sous toi. Ou bien femme appeler ton mari. Il a sous toi mais. Et elle ne pouvait pas bouger. Et c'est moi. Et Jésus a dit. Jésus donc. C'est normal. Oui. Que tu aies de difficulté. Ben pour aller appeler ton mari. Ben car tu as 5 maris. Ben tu as connu 5 maris. Ben et celui avec qui tu es. Ben mais pas de quoi, n'aime même pas ton mari. Et pourquoi Jésus va voir ben ça? Ben il y a une seule personne. Mais le père le qui constitue gara avec la femme. Ben le père qui c'est la femme là à se tenter. Ben pourquoi Jésus va voir ben les autres maris? Ben les autres maris. Ça veut dire que dans le règne de l'esprit, non, il y a une tâche sur cette femme qui porte l'effigie de tous les 5 autres hommes. Normalement, ça doit être effacé. Quand elle s'est mariée avec quelqu'un, l'autre doit être effacé. Mais dans le règne de l'esprit, c'est resté. Cela voudra dire toute personne que tu prends comme père.
son effigie. Mais il y est donc. Il y a son règne qui gouverne là. Mais là, il y a un problème. Pourquoi? Normalement, si je suis homme de Dieu, il est homme de Dieu. Nous sommes nombreux comme homme de Dieu. Mais c'est des hommes de Dieu qui prient pour toi. Normalement, il ne devait pas avoir problème. Mais pourquoi il y a problème? Est-ce que je peux parler? Yes, sir, je peux dire. Écoute-moi correctement. Il y a problème parce que tout homme de Dieu, il y a une entité qui le combat. Il n'y a pas d'homme de Dieu sur la terre sans qu'une entité ne le combat. Il y a toujours une entité qui le combat et il mène cette lutte à perpétuité. Mais c'est pas qu'il a possédé. Le démon ne va pas entrer en lui. Mais le démon là sera en train de le persécuter. Le déranger. Amen. Il y a toujours une entité qui combat. Quelle que soit sa dimension. Quelle que soit sa force. Et maintenant viens. Comme lui il est attribué. Non, c'est pas lui, c'était. J'avais pris ce mot. Comme lui. Par exemple. Levez-vous. Levez-vous. Vous êtes homme de Dieu. 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 Dieu vous utilise tous. Vous êtes de vrais hommes de Dieu. Ce ne sont pas des faux hommes de Dieu. Je ne veux pas aller dans le faux. Je veux parler même des vrais. Pourquoi vous parlez des conséquences? Et là, celui-ci est homme de Dieu. Mais il y a une entité qui le combat. Celui-ci est homme de Dieu. Il y a une entité. Il a la célébrité, il a tout. Mais il y a une entité. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Ainsi de suite. Maintenant, comme eux tous prient pour la même personne, qu'est-ce qui se passe? L'entité qui combat celui-ci commence par le combat. L'entité qui commence celui-ci commence pas le combat. L'entité qui commence celui-ci commence pas le combat. L'entité si commence pas le combat. L'autre aussi commence pas le combat. Est-ce qu'il peut supporter? C'est une entité qui dérange les autres. Et lui seul est en train de gérer pour lui. Hein? Il est en train de combattre contre pour lui. Et c'est à perpétuité cette guerre. Voilà que tout ceci, leurs entités se lèvent contre une seule personne qui n'est même pas homme de Dieu. Où tu vas avoir le témoignage? Où tu vas avoir une vie paisible? Asseyez-vous s'il vous plaît. Mais je avoir une vie paisible serait une chose impossible dans ta vie. Dans ce cas-là, quelqu'un dit faya. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac a prié. Isaac a fait une prière. Jacob a fait une prière. Il a dit quelque chose. Quand il voulait rencontrer son grand frère, viens sur Genèse 32, le verset 10. Genèse 32, 10. Il dit, puis Jacob pria. Et là, Jacob aurait. Dieu de mon père Abraham. Ma ou toi, Abraham. Et Dieu de mon père Isaac. Bon, toi, Isaac. Ô éternel. Ma voix, ma voix. Toi qui m'as dit. Oui, mais dans le milieu. Retourne dans ton pays. L'état est tout. Dans la famille. Le renoumé. Et je te ferai du bien. Bon, là, là, Benoué. Je suis indigne de toutes les faveurs. Jacob, fais-nous les biens. Que tu as témoigné avec tant de fidélité à ton serviteur. Alors que j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Esau. Si mon fils j'ai peur qu'il vienne me tuer, ni épargner ni mère, ni ma jodo, ni enfant. Non, pas de ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Écoutez-moi correctement. Isaac a eu un problème. Il a fait deux enfants. Ils sont jumeaux. Et même Jacob. Mais là, Fillon. Dieu a privilégié, Dieu a déjà choisi Jacob. Jacob. Avant que Jacob ne sorte. Jacob n'a de temps. Parce qu'il a dit, il y a deux nations dans le ventre. Et Rebecca. Rebecca, non, si le jeune, le plus petit va devenir le plus grand. Mais effectivement, cela s'est accompli. Et mais là, Fillon.
Quand Jacob a été béni, les Jacob m'ont donné à la place des sauces. Mais les sauces étaient et so a formé un projet pour tuer et son père. Il dit mon père va mourir bientôt et je vais tuer mon petit frère pour pouvoir lui arracher la bénédiction. Quand il a volé ma bénédiction, Rebecca a pris cela. Le bas, elle dit pas vers ton oncle là-bas. Et là-bas, tu serais parti là-bas. Le temps va passer, tu vas faire des années là-bas et ton frère, son corps va s'apaiser et après tu vas revenir. Et il y aura la paix entre vous. Et maintenant, il est parti. Il a passé 14 ans de servitude. Il a travaillé. Et il a pris ses femmes, Léa et Rebecca. Léa et Rachel. Et il a fait des enfants. Il y avait Ruben, il y avait Lévi, il y avait Siméon, il y avait Gad, il y avait Zabulon, il y avait presque tous. Il y avait aussi Joseph. Joseph est déjà né. Joseph est coté. Benjamin qui n'est pas encore né. Benjamin m'a coté au final. Amen. Amen. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Nédje. Il doit se rendre maintenant dans la maison de son père. Il doit se retourner. Non, non, et Dieu même lui a parlé. Non, le soir de retourne maintenant. Non, l'écoute. Quitte la maison de ton oncle. Non, non, va dans la maison de ton père. Et quand il a pris le chemin, il allait jusqu'à un niveau de l'eau. Il a envoyé des gens vers son frère. Il dit, grand frère, je te demande pardon pour les choses qui se sont passées. Je veux rentrer. Mais j'ai voulu qu'on se voie. Mais je te demande pardon. Tu es mon Seigneur. Il appelait ce grand frère Seigneur. Et non, il a photo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il évoluait, il a appris que son frère veut le rencontrer. Et c'est la photo n'a pas. Et le frère a choisi. Faut voir. Il a choisi. Et c'est 400 hommes. Et c'est peut-être que 400 guerriers. Avant foutre les quêtes. Tu veux rencontrer ton frère. Elle a peine en vitro et tu sors avec les hommes de guerre. Bah quand ton père m'a fait ça symbolise quoi? Il veut tuer son frère. Et il veut lutter contre son frère. Mais le frère n'est pas riche comme lui. Il n'a pas de serviteur comme lui. Le frère avait à peine 20 serviteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il savait que mon frère va me tuer. Même s'il prend tous mes brebis. Et il me reste au moins mes enfants. Mais je vais reconstituer ma vie. Maintenant il va tuer ses enfants. Il est troublé en lui-même. Quelqu'un dit la peur. La peur. Merci. Est dangereux. La peur est une chose que le diable vient semer en vous. Les banades traumatisées. Je déracine ça de vous. Yes. Toute personne qui a la peur en lui, ou en elle, si elle part au marché, elle ne peut pas vendre. Si il part au concours, il va échouer. Et à un examen, il va échouer. C'est la peur qui fait ça. Le diable connaît cela. Et c'est pour cela, même si vous voyez qu'il y a une délivrance, vous allez voir que le diable fait peur. Le démon crie sur toi. Ou bien il commence par rire. Regardez la manifestation des sorciers. La manifestation des sorciers. Vous allez voir qu'ils font peur aux gens. Et quand ils vous intimident maintenant, et que vous avez peur, vous êtes affaibli. Alors il vous attaque. Il vous domine. Je prie que toute peur quitte votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Asseyez-vous. Et maintenant, Jacob est obligé de prier son Dieu. Il dit, Dieu il veut prier. Jacob veut prier. Jacob dit en normalement, il devait dire, oh Père. Non, non, toi, oh Dieu. Maoué. Mais c'est ce qu'il doit faire. Non, mais là, fini. Il y a une différence. Pour bon il dit, oh Dieu de mon Père Abraham. Et le maoué, toi, tu es Abraham ton. Oh Dieu de mon Père Isaac. Et le maoué, toi, tu es Isaac ton. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi il va dire ça? Amen. Amen. Pourquoi il va Nengon. Dire ça? En voulant prier, est-ce que toi tu vas dire, oh Dieu de mon père Eric Sem. Oh Dieu de mon père Maou. Wilfried. Daddy.
Donc, c'est impossible. Et rien à dire. Amen. C'est difficile à dire ça. Et non, vers où est-ce que amen. Nous n'avons pas cette habitude. Mais non, il y a est-ce que quelqu'un comprend? Nous n'avons pas cette habitude. Et nous n'avons pas cette connaissance. Mais les hommes tout tournent en yes. Ganji. Je vous explique. Il dit, oh Dieu de mon père. Abraham. Abraham. Pourquoi? Bon. Dieu ne connaissait pas Jacob. Mao ton Jacob. Et tu es là? C'est un père. Qui montre. Toi à Dieu. C'est ce qui fait qu'on fait la dédicace des enfants. C'est un père qui fait montrer un fils à Dieu. Mao. On a fait chérie. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Yes, ça. Écoutez-moi. Mais c'est okay. Pourquoi il a dit, oh Dieu, mais bon, de mon père Abraham. Touch Abraham. Abraham avait fait, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Mablo, il dit, hello. Je ferai de toi Nambloha, oui. Un père d'une multitude de nations. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et ta postérité sera comme les sables de la mer. Jacob est sorti de quelle lignée? Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Ça veut dire que l'alliance de Abraham, doit travailler aussi sur Jacob. Et nous avons seul Jacob. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais l'alliance d'Abraham, Abraham, doit agir. Nous avons seul. Parce que quand il a crié, il a dit ça. Mais sur le ça veut dire que Esau ne peut plus le tuer. Esau, ça c'est oui. Il ne peut plus. Esau Antinia. Parce que il y a une promesse antérieure qu'il est en train de rappeler à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsque Isaac son père fonctionnait, il était parti dans les pays étrangers, il priait toujours Dieu de mon père Abraham. Et Dieu dit, à cause de ton père Abraham, l'ennemi ne peut rien te faire. Car je serai avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est Jacob qu'on veut tuer. Jacob est où? Et Dieu dit maintenant, je vais faire quelque chose. Il faut que je change le nom. Et Dieu m'a dit encore. Comment vous appelez? Félix Joachim. Félix Joachim. Vous êtes professeur. Hey, merci. Des SVT. SVT. Ou bien, oui. Maintenant, Dion. Vous changez de jugement. Allez, jugement. Vous êtes venu. Félé, Félé, Kofi, Kofi, Joachim, Joachim. C'est la même personne. Non, papa. Ça c'est nous pas là. C'est la même personne. Non, pas là. Est-ce que c'est la même personne? Non, pas là. Les forces de l'Est viennent ici. Pendant la fin. Rapidement, nous sommes ici. Ils ne vivent pas d'abord la fin. Alors qu'ils ont eu un mandat pour arrêter Félé Joachim. Mais ils, Bébé n'a voulu Félé Joachim. Ils sont venus. Mais là. Le mandat dit c'est Félé Joachim. Alors Félé Joachim. Qu'on veut arrêter. Mais il a voulu. Alors que celui-ci s'appelle Félé. Mais là qu'on est Félé. Kofi, Kofi Joachim. Joachim. Est-ce que c'est la même personne? Mais le point est. Et d'un tapé pour tout. Hey, quelle révélation! C'est ce qui se passe avec les entreprises. Mais non, j'ai pas sur internet. Vous allez voir que si une entreprise est en faillite. Mais non, mon nom sur internet j'ai eu. Ils font ça. Et là ça. Et puis on transforme le nom de la société. Mais on connaît. Et puis c'est terminé. Mais là, moi, il faut. À son nom, faut de finir. Ce n'est plus les mêmes personnes. Je le c'est deux personnes différentes. Mais oui, mais pour vous. Et là, fini. Le frère voulait tuer. Non, viens dans où? Jacob. Jacob. Et Dieu a changé Jacob en Israël. Mais quand Dieu a Jacob en Israël. À partir d'aujourd'hui, je chante ton nom. Et là, Dieu encore te tu deviens Israël. Je suis Israël. On ne va plus t'appeler Jacob. C'est là, Jacob. Et quand il veut rencontrer son frère. Mais viens ton frère. C'est Jacob le frère voulait tuer. Jacob est fou. Mais quand il a vu Isaac et mais quand il a vu Abraham de loin. Aimant. L'amour est entré dans son cœur. Mais là, mon Jacob de Zogaram le roi, il va bien. Enfin, baby, Israël. C'est de Israël. Il dit ce n'est pas celui que je voulais tuer. C'est celui que je dois aimer qui vient. C'est celui que je dois favoriser. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois ça. Même si ton nom est sur la liste de ceux qu'on doit abattre. Cette année, ton nom va changer ce soir. Yes, sir.
On ne peut pas t'abattre. Parce que tu portes un autre nom. Assieds-toi dans la grâce abondante. Celui qui va te tuer. Sa grand-maman n'est pas encore. Grand-maman est là. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Si tu comprends certaines choses, on ne peut pas t'attaquer. Là, fini. Vous verrez encore que c'est Jésus, notre Jésus qui a montré les disciples dévilés à Dieu. Mao. Quand vous lisez Jean chapitre 17, Mira, Jean 17, tout le chapitre, chapitre bio, c'est-à-dire le verset 6, 6 au 10e verset, quand il encore, vous lisez aussi le verset 24, là, 24. Je vais simplement citer, vous allez noter, allez lire. Soit vous lisez tout le chapitre, alors, la chapitre vous allez voir une particularité. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est Dieu qui lui a donné les disciples. Tu appartiens à Dieu ou bien tu n'appartiens à pas. J'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui avait donné les disciples à Jésus. Mais il faut que Jésus parle des disciples maintenant à Dieu. Il y a un pouvoir que Dieu donne au Père. Et c'est au Père, c'est comme si vous êtes dans un service. À la zone, mais vous. Avec le directeur départemental. Plutôt directeur et simplement le directeur de l'école primaire. École primaire, c'est un directeur. Ou de CG. Alors CG. Il y a un papier. Oui, Manetti. Enquête d'assiduité et de moralité. Fiche d'évaluation française. Qui signe ça? Maintenant, signé. Hein? C'est le directeur. Pourquoi c'est le directeur? C'est lui qui patronne la maison. Ouais, pas Tchamkouyabé. C'est lui le boss de la maison. Si lui dit que vous êtes compétent ou bien vous êtes ceci. Et non. Vous avez des problèmes. A d'autres problèmes si c'est vraiment. Hein? Pas d'avancement. Ça veut dire que vous avez des problèmes. Oui, alors tabane. Avant que Dieu ne reconnaisse non, non, tout. Les disciples, des villes, il a fallu et ouais, j'ai. Que Jésus plaide. Jésus a fait le taille, Tommy. Il dit Père. Et non, la gloire que tu me donnes, donne-leur aussi une part dans cette gloire, sauf le fils de la perdition. Il est en train de parler de Judas Iscariote. Il dit donne ça à tous les disciples, les 11, sauf l'autre. Il dit lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Afin que l'Écriture fût accomplie. Amen. Amen. Il demande, il est en train de plaider le cas auprès de Dieu. Comment se fait-il que les disciples sont avec lui? Et Dieu ne les connaissait pas. Et c'est à lui de plaider maintenant le cas. Vous dites, je pars. Père, tel que tu m'as gardé là, garde-les. Fais ceci pour eux. Fais ça pour eux. Soutiens-les. Fais-les ceci. Attribue-leur un trône. Pourquoi? Si le Père n'a pas sa place dans la vie des fils, tout fils qui veut réussir doit suivre son Père. C'est le cas d'Élisée. Et tout père qui veut faire réussir quelqu'un doit réprimander ses enfants. Vérité. Yes. Quelque chose s'est passé. Nédje. Dans la Bible. Vous allez voir. Jésus a marché sur les eaux. Jésus dit dans Matthieu 14. Matthieu 14. Jésus dit sur les eaux. À partir du verset 22, vous allez voir ça. Matthieu 14, 22. Jésus a marché sur les eaux. Jésus dit sur le crudit. Et quand il marchait, il est venu, c'est dans une nuit déjà. Et subitement, il a vu. Il a demandé aux disciples d'évoluer. Et les disciples sont entrés dans la barque. Ils évoluaient jusqu'à un niveau donné. Il dit maintenant, il faut que je les suive. Il n'y a plus de barque. Jésus a compris marcher sur les eaux. Les eaux sont sur la barque. Ils sont déjà au beau milieu de la mer. Et puis il s'est rapproché d'eux.
Mais c'est quoi? Les disciples ont eu peur. Devil dit ici. Il dit n'ayez pas peur. Et là, dit, c'est moi Jésus. Ni Jésus. Ils n'ont pas cru, ils ont dit que c'est un fantôme. Mais verset dans Dieu mais nous pique. C'est des disciples non? Devil c'est des gens qui sont toujours avec Jésus. Et le pas Jésus ils ont vu Jésus faire miracle. Et mon Jésus ils ont vu Jésus guérir. Et mon Jésus ils ont vu des choses terribles que Jésus faisait. Mais là Jésus. Ils ont encore peur. Le fin est là dit ici. Ça veut dire qu'il leur reste à apprendre. Alors nous les pouvons apprendre. Il leur reste à connaître encore. Nous les pouvons à tout temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. Il dit, Pierre dit. Pitaro. Maître. Merci. Si réellement c'est toi. Ni ouais j'ai rien. Si c'est toi. Ouais j'ai rien. Permets-moi. Bon. À marcher. Mandisou. Aussi sur les eaux comme aussi toi. Aussi on dit oui. Donc. Si ce n'est pas un fantôme. Mais un pipi. Donc je vais marcher. Il est sur la zone. J'aime trop Pierre. Non il est en. Et quand il a dit ça, Nélan. Effectivement, nous bon, il est sorti. Et ton. Et Jésus lui a dit, viens. Jésus le voit. Marche. Disons libre. Il est sorti. Et ton. Il a pas marché. Toka. Sur Toka. Le Seigneur dit. Subitement. Patapon. Il a regardé. Et ouais, bon. La mer. Quoi. Et le vent qui sort. Et puis il s'est enfoncé. Pour sortir. La peur s'est emparée de lui. Reste bien aimé. Et il s'est enfoncé. Mais il a crié, dit Jésus sauve-moi. Mais là, Jésus, mon ami. Et Jésus a tendu ses mains. Jésus s'est attendu. Pour pouvoir le sauver du noyade. Mais, si, si, mais pourquoi il a marché? Moi, et quelque temps il s'est enfoncé. Mais, il a regardé ailleurs. Et confidez-vous. Dis voisin. Non, oui, God, voisin. Tu regardes où? Tu regardes où? Tu regardes où? Tu regardes où? Écoutez-moi. Lorsque tu es en Jésus. Alors Jésus et que tu es dans une lignée. Tu dois respecter la lignée. Et tu suis les principes de la lignée. Quand tu sors un peu de la lignée. Écoutez-moi. C'est comme les brebis. Les bavoulets. Si on est dans la forêt. Si. Nino. Un brebis, un petit brebis, quitte sa maman, ou bien la troupe de sa famille, et déambule ailleurs. Qu'est-ce qui le prend? Le lion le prend. Le guépard le prend. Le léopard le prend. Le léopard et le déchire. Vérité. C'est ça même. Vous savez, mets-toi. Si l'on prêche, et le maroureux, reçois ça. Oui. Reçois ça seulement. Oui. Et que tu es bébé spirituel. Vie, y a plus c'est un danger. Il faut quoi, ouais. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, Jésus, mais. Quand tu sors un peu, attends, les choses du monde vont te prendre. Nous, là, on la paix au sort. Les choses du monde peuvent t'attaquer. Nous, là, on la pour enlever ce que tu as comme gloire. Bon, là, Jésus. Oui, toi, Jésus. Il y a beaucoup qui sont en Christ. Mais, là, ici, mais ils voient encore ailleurs. Les confinés, vous. Ils ont des amulettes chez eux. Mais, là, tiens, oui, ils ont encore du feu chez eux. Le feu, oui, la nuit pas fait vision. Ça mène un bon. Tu suis qui? Mais quoi toi, qui est ton père? Mais, toi, toi. C'est un Oli. Oli, oui. C'est un féticheur. Ou bien c'est un chrétien. Alors il sait non. Ou c'est Jésus. Alors Jésus est. Tu as décidé de suivre Jésus. Maintenant voyez Jésus. Focalise-toi alors sur Jésus. Zéro de Jésus dit. Ne regarde pas les gens. Mais ça pour mêler. N'entends même pas ce que les autres disent. Mais ça c'est nous la mêler. Suis seulement Jésus. Voyez Jésus. Tu verras le miracle. Alors mon Dieu. Puis suivez Jésus. Puis t'as voyez Jésus. Quand il a regardé Jésus. Mais quand Jésus. Il regardait Jésus. Et le Jésus quoi? Il dit. Et là. Boss, je veux venir chez toi. Il a dit, fils, ton mal seulement. Il a combat marché. Il a combat marché. Et il suivait Jésus. Ça veut dire qu'il y a un rempart, une connexion sur Jésus, Jésus dit, qui le touchait. Le et c'est pour cela qu'il allait. Mais quand il a regardé de côté, la, réponse à part autant, la connexion est coupée. Alors il s'est enfoncé. Eh bien, Simon. Eh bien, Simon. Où ta connexion est coupée. Vite quand tu chatte wende. C'est où? Vite quand wende. Beaucoup de chrétiens condamnent les hommes de Dieu. Et même oui, c'est dans ce bon roi ta pas semaine. Parce que ça pas te a fait si pas. Et voilà. Pasteur. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et toi quoi? Un père n'est pas là pour doloter les enfants. Tout père qui dolote ses filles ou ses enfants produits des délinquants. Vérité. Jésus a dit quelque chose à Jésus.
Écoutez-moi correctement. Pierre. Peter. Écoutez-moi. Jésus est en train de dire à ses disciples, bientôt je vais mourir. Bientôt je vais mourir. Et il est conseillé. Et ça a énervé Pierre. Pierre a appelé Jésus. Venez. Quand il a appelé Jésus, il est allé à l'écart. Il dit, maître, je n'aime pas ce que tu mais dis. Mais là, il y a un homme. Qui t'a dit que tu veux mourir? Mais là, il y a un quoi? Ça l'a arrivé là. Il est là, check moi. Il y a un homme, oui. C'est une mauvaise chose, il a dit. Il y a un homme. Hein? Il y a un homme. L'autre a dit, je veux mourir. Mais là, alors, je vais mourir bientôt. La cousine a dit. Troisième jour, je vais ressusciter. La santé, il a pris son dit, non, jamais. Ça n'arrivera. Tu ne vas pas mourir. Il aime son maître ou bien le laisse. Il y a un homme, merci. Aime ton père. Il y a un homme. Ça a toujours une gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit ça, Jésus a dit, Jésus, arrête-moi Satan. Donc, si là, il a insulté, non? Jésus, oui. Jésus l'a appelé Satan. Jésus est là, là. Pierre devait se fâcher. Peter, là, c'est ou bien boxer avec Jésus. Pourquoi il va me traiter Satan? Tout sauf ça. Pourquoi il va m'insulter Satan? Jésus n'a pas insulté Pierre. Jésus ou Peter. Mais Jésus a insulté l'esprit qui est entré en Pierre qui parlait. Big boy, tout homme de Dieu qui ne dit pas. C'est là que tu fais. C'est mauvais. Qui ne te dit pas. Attention. Qui ne te réprimande mais pas nous, ne te fait pas du bien. Et voilà, ben, vérité. Yes. Et voilà, ben, nous, il nous, ne te fait pas du bien. Du bien. Et voilà, ben, nous, tout homme de Dieu. Masse, ben, Jésus est entré dans le temple. Jésus bien et les gens vendaient. Mais là, nous, ça. C'est des fidèles. Ma, c'est des enfants de Dieu. Vraiment, ton, ils ont pris le temple de Dieu. Ben, en machin. Marché. Il y avait des machins. Les échangeurs de sous. Ben, non, à quoi dire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dédié. Il a pris chicote. Il a commencé à fouetter. Il a renversé les tables. Non, il doit dire. Migbobo. On va arrêter. Et non, plus moi. On ne fait pas ça. Et Migbo. On va arrêter. Et maintenant, mon bloc, papa, si vous voulez. Comment vous avez fait ça dans la maison? Ici, là, on a d'autres dieux. Mais il a fait du bruit. Ah, ce qu'il dit. Il a fouetté des gens. Il les a chassés. Quand tu as ton enfant, alors, il part à l'école. Et à sommet. L'enfant doit sortir à 17h. 17h. Et tu sais que l'enfant est sorti à 17h. L'enfant vient à la maison à 22h. Tu vas dire. Ah non. Tu es parti où? Pierre Aïné. C'est 17h vous êtes sorti, non? Ah, 17h dans le milieu. Ah wow. C'est maintenant tu rentres. Tiens, les gars. On est signé. As-tu grandi? Va prendre la patte et chopa. Tu es foutu. A fonbi. A fonbi. Tu dois dire, tu es parti où? Ah non, il y a bien fait. Il doit dire là où il est parti. Et là, il et tu dois le fouetter. Man, c'est ton avenir tu cherches. Quand tu grandis, ah, les filles, écoutez-moi correctement. Quand vous venez de l'école, on dit préparons. À quoi c'est sommet? Et là, Danou, Danou. Maman, je prépare ça pour la maman, je vais étudier. Et vous dites qu'on vous fait mal, non? Et non, et nous, et. Tu as fait enfant aujourd'hui, non? Comment tu utilises? N'y a non, bleu bon. N'y a non, bleu bon, dit. Tu vas comprendre qu'on te formait. Tu vas comprendre que c'est des réalités. Tout enfant qui n'est pas resté auprès de toi. On a dérangé à la cuisine. Aujourd'hui, on est dans mon mouet. Aujourd'hui, la FM, pas de Jésus. Non, oui. On sont nos bon côté. Eh, la sauce là est vraiment salée. Mais si tu es resté réellement. Ah, non, n'entends pas. Aujourd'hui, vous êtes en location. Une location si rurale. Votre enfant sort, Fitouetan. Il va manger dans la chambre de l'autre. Et nous est-ce si que vous êtes d'accord? Hein? Il y a sorcellerie dehors. Ah, il y a toutes choses dehors. Le corps, tu protèges ton enfant. En tout père doit protéger ses enfants. Mais dis-toi, réprimander l'enfant quand l'enfant est ben fait bien. Nous bien. L'enfant fait mal. Ouais, est-ce qu'on me comprend? Mais nous, nous, tout père doit réprimander. Jésus a dit ça. Jésus l'a dit. Si Aori dit ici, il dit, eh? Non, non. Regardez-moi. Bon, mais. Race de vipère. Le culte prochain, vous ne serez plus là. Si c'est un mais non, papa, non, ton maï. Maintenant, oui, bipère. Jean-Baptiste disait. Jean-Baptiste, on père. Jésus disait. Jésus, les hommes pervers cherchent miracle. Eh, nous, barabara, nous, tchoubaï. Il les insultait. Et nous, souhaitons, correctement dans l'enseignement, dans tout ce qu'il disait, mais là, ils sont toujours là. Et pour finir,
Vérité. Mais ici, il a dit non, pourquoi? Alors, non, le petit là vient nous insulter. Ah, non, c'est qui celui-là? Mais gars, voilà que c'est le petit qui a la chose. Jésus. C'est le petit là que Dieu a choisi. Quelque chose s'est passé. Moïse. Mose. Il est le petit frère d'Aaron. Et nous venons Aaron. Écoutez-moi. Il est le petit frère d'Aaron. Et nous venons Aaron. Et Dieu a dit, il est temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. Écoutez-moi correctement. Mise Ochi. Écoutez-moi correctement. Mise Ochi. Moïse. Mose. Aaron. Aaron. Sont des frères. Et ils n'ont vu. Mais Aaron est le grand frère. Aaron quand il faut. Mais c'est le petit frère Dieu a choisi. Bah, il a pas prévu à Moïse. Il dit tu seras prophète pour tes frères. Et là, à une doda il nous faut non vite. Tu seras prophète pour la nation. Bah, faut tu es une doda il nous te go. La sœur sera servante de l'Éternel. Bah, non vite tu es une doda tu nous on a une maison. Marie. Marie. Mariam. Les musulmans l'appellent Mariama. Mariama. Amen. Amen. Et là, fini. Il dit. Et là, Dieu a demandé qu'on tue les étrangers. Ou bien qu'on chasse les femmes étrangères. Les enfants aussi. On doit les abandonner. Tous. Il est venu dire ça au peuple. Et que Dieu a dit. Maudo. Il faut chasser. Et les autres. Mais c'est un décret. Bitaouin. Donc on doit chasser. Rangai. Ils ont chassé les femmes. Et n'y a les enfants. Filet. Tous celles-là qui sont étrangères. Non, non, Dieu, non, les alors que Moïse même. Mon soeur, les a pris une Éthiopienne. Ouais, t'es Éthiopienne. Assez roménienne. C'est une femme étrangère. Non, non, Dieu, non, un Djoua. Et la femme lui a fait des enfants. Non, non, qu'a dit venir. Deux enfants à l'époque. Viwe, ouéne nous. Et il dit personne ne touche à mes enfants. Mais le poule maïa bavile ou. Personne ne touche à ma femme. Mais le poule maïa bastille ou. Gagne Dieu. Ah. Fais attention à ton père. Fais vraiment attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Subitement. Bata. Subitement. Bata. Les autres, ils ont chassé tous leurs femmes. Et la femme de Moïse est restée. Moi, c'est un sien, on finit. Et ses enfants. Moïse dit, que personne n'ose même. Pour venir dans ma maison. Jusqu'à toucher mes enfants. Oh! Hein? Et quand il est sorti. Des temps. Son grand frère Aaron. Photon Aaron. Et Mariam. Pour Mariam. Dit Marie. Maria. On commençait par parler de Moïse. Et dit Moïse quoi d'autre? Ils ont dit ce que Moïse a fait là. La nouvelle Moïse bleu n'y a rien. On doit chasser aussi sa femme. On a ni assez ton esprit. Pourquoi il a fait ça? Ne voilà bleu. Dieu a entendu. Moïse. Et quand Moïse est rentré. Le Moïse est là. Dieu est venu. Mawa. Dieu a dit. Mado. Toi Aaron. Ouais Aaron. Toi Mariam. Ouais Mariam. Je vous connais où? Fidèle to me daddy. Vous avez quel droit pour parler de mon serviteur Moïse? En même temps, il a frappé Marie de la lèpre. La lèpre devait tuer Marie. La lèpre, c'est une maladie mortelle. On l'a écarté du peuple. Il a fallu que Moïse s'ajeune. Et on va demander pardon. C'est ma soeur après tout. Sauve là-haut. Sauve là. Ça n'a pas été facile. Avant que Mariam ne soit guérie. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus. Si un père possède quelque chose, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. C'est ton héritage. Ce que tu as. C'est que le père a. Mais ton le fils a droit à ça ou bien là-bas. Ou bien. Yes. Tout enfant qui vit avec son père. Qui marche selon la volonté de son père. Gagne ou bien ne gagne pas. C'est un héritage, il ne prend pas. S'il y a quelque chose qui est caché pour son père, qui va connaître ça? C'est lui, non? Alors prends ça. Je reçois ça. Ce dont tu as besoin. Je reçois ça. Je vais te dire une chose. Anonymous. Assieds-toi. Jujan, fait. Tu as besoin de quoi? Dès où dois-tu? Que ton père n'en a pas. Le tato mandoua. Est-ce que Dieu répond à ton père? Mano cédébelun tatoya. Est-ce que Dieu écoute ton père? Mano cédébelun tatoya. C'est là. Finine. Tu dois te poser cette question. Anka kwenye bio. Est-ce que Dieu écoute mon père? Mano cédébelun tatoya. Est-ce qu'on combat mon père? La vente ton tatoya. Est-ce qu'on arrive à le dompter? Et qu'on appartient à nous, nous nous. Ou bien il défie. Alors il y a nous qui peut nous 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 nous. Amen. Amen. Tu dois réfléchir. On a un lien. Toi, tu es né dans combien? Nous n'avons pas étudié. Je vous explique. Natime. Il y a des enfants qui sont nés. Vidéletti. Et leurs parents avaient 10 000 francs seulement. Et le tchaki où? 10 000 francs. Il y a un chobo mon mozo à sous. Avant même de payer l'argent d'hospitalisation, ils sont partis prêter les 10 000. Ou bien? Quand dit?
Il y a d'autres enfants qui sont nés. Mais les lettres m'ont dit. Leurs parents avaient 100 000 francs. Mais dis-toi, ton les 100 000 euros. Il y a d'autres qui sont nés. Mais les lettres m'ont dit. Leurs parents avaient un million. Mais dis-toi, ton million. Million euros. Bon, je prends le président Talon. Nous êtes au gant. Son fils est né dans quoi? Viton, t'es mes dieux. Lui, il est né. Dans milliards. Ya, vieux. Celui qui est né dans milliards. Mais le milliard, mais. S'il veut manger quelque chose, et il ne va pas se gêner. Et là, il va faire téléphone. Et, là, vous allez au et la nourriture va venir. Amenez mon sort. Ça veut dire que lui travaille comme ça. Et là, il marche. Et là, les mais les choses arrivent. Mais celui qui est né, mais, au moment où il y avait 10 000, bah, tchaki, il doit courir. Et là, quand ils sont, va. Il doit courir. Va. D'abord. Et là, quand ils sont, il doit courir avant là, de et là, quand ils ont 4 jours, ce n'est pas possible. Où ils ont caca. Ou bien, ouais. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, dans le règne de l'Esprit, cela est respecté. Et les soeurs énoncés, et de mon Père, cela est démarqué comme ça. Et de mon Père, ton Père à quoi? Toi, tu es un tel. Si ton Père, regardez, ma femme et moi, il y a la joie tous les jours. Je te dis la vérité. Il y a la joie chez nous. Mais toi et ton mari, est-ce que tu es mon fils? Aujourd'hui, la joie va reprendre. Je reçois ça. Ton père roule dans la voiture. Toi, tu ne m'as pas pied. Alors qu'on traîne 11. Est-ce que c'est normal? Non, Gadia. Ton père a d'enfants, toi tu as d'enfants. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu suis réellement ton père? Jésus guérissait les malades. Jésus n'a pas son tonnerre. Les disciples ont fait quoi? Des vilains tables. Ils ont aussi guéri les malades. Ils ont hérité quelque chose de leur père. Ton héritage, tu vas entrer dedans aujourd'hui. Ce que l'ennemi pense de toi, c'est le contraire qui va arriver. C'est ça la bénédiction des pères. Assieds-toi. Si tu as la bénédiction d'un père, alors ton entends ton. Écoute-moi, tu ne te gênes plus. À cela, j'étais bas. Tu ne peux plus te gêner. Soit si j'étais bas. Comme ce que tu faisais avant. Il y a un bloc bon d'ailleurs. Parce que les choses doivent changer. Donne les noms. Ton père avait une maison. Toi, tu le quoi? À Lokosa. Le Lokosa. Bien propre. Bon mais. Tu es l'héritier. Rien gourou toi. Est-ce que tu vas louer? Tu vas rester dans la maison de ton père. Ah non, toi tu rêves. Avant de construire maintenant pour toi. Tu les sous. Je prie que tu entres dans la maison. Amen. Si quelqu'un peut comprendre ce que je suis en de assieds-toi. Tu vas dire à ton problème. On a donné ta battue. Problème, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tabasolo achede bulo chichia. Esprit de mort, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Bigbo kuton soda chedo chichia. Retard, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Wenu bigbo asoda achede bulo chichia. Chaque personne se trouve dans une ligne. Mais bien allez nous demain. Regardez les hommes de Dieu. Bigbo mausimele. Les grands hommes de Dieu. Masime da role. Si vous prenez par exemple Papa Odeyepo. Misez Papa Odeyepo. Ceux qui sont collés à lui. Mais chaque un peu de. Les vrais fils et fidèles. Vida be, de nous nous visons là. Ce ne sont pas ceux qui courent un peu. Mais non, il y a foutu. Les qui sont attachés à lui. Ils sont immensement riches. Ils ont beaucoup d'âmes. Dans leur lignée. Mais la richesse. Quoi qu'elle est. Ils sont immensement riches. Ils ont beaucoup d'âmes. Ceux qui sont liés à Papa Tibi Joshua, père à son âme. Ils sont des tiens. Vous allez les voir, ils sont puissants. Ils ont six âmes. Ils ont onction. Regardez. Même si ça. Son fils qui est au. Au Cameroun. Vito est le Cameroun. John Chi. Yes. Vous voyez comment il est puissant. Mais il est le 5 mois. Très. Il l'utilise puissamment comme son père. Manozin, si c'est toi ton nom. Parce qu'il est lié à son père. Le tchaku de toton. Le père est mort malgré ça. Il est lié à la mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque lié. Jijimenebu. A ses avantages. Et donc, tu te trouves dans quel lié? Allende, t'es nous autres. Mindeleo. Moi,
connecté à papa prophète Eric Sem. Bébé Eric Sem. Bébé Eric Sem. Bébé Tchéné. Je dis c'est mon père. Bébé Tchéné. C'est celui qui recharge ma batterie. Mais non, ton batterie tchè. Quand tu. Et ce qu'il a. C'est ça il m'a donné. Je suis lié à lui. Si tu es lié à un père, tu réussis. Mais si tu es lié à plusieurs pères, on t'appelle enfant père. Qui veut être bâtard ici? Mais tu deviens sans père. Un sans père. Il y a les sans père ici. Sans père, sans père. Dis voisin, es-tu sans père? Sans père, rien. Voisin, es-tu sans père? Pose-lui cette question. Pose. Bien. Voisin, es-tu sans père? Voyez à quoi tu mets. Sans père, rien. Je suis convaincu que les sans père sont déjà partis de cette église. On a ton sans père, Gogo Samichel. Oui. Et le fils est père de où? C'est plus le fils de son père. Non. Amen. Amen. Mais c'est ça. Rouané. Tu vois ton père, on déshonore ton père. Ah non, mon belo. Content. Et le temps de déquoi? Ne t'amuse pas avec le prophète. Et ma dame, vous pouvez donner un top. L'œuvre que nous faisons, ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas comme ceux qui prennent Gali n'importe comment pour aller vendre au marché. Et non, mais non, c'est Gali, mais non, c'est Gali, mais non. Si Dieu connaît quelqu'un, c'est qui? Mais tout, mais il faut certifier, confirmer, ISO. La vie avec les hommes de Dieu, ils sont quelque chose de assez attractif, de précieux, qui peuvent te donner. Mais non, oui. S'ils sont vrais, n'y nous pour non. Colle-toi seulement. Chacun. Et tu vas recevoir. Manaï nous tue.